vrai. Je suis la seule fille. Ça a donné comme ça. Je pense que dans les plans, il y en avait d'autres aussi. Mais tu sais, c'est toujours avec, avec les horaires, avec les disponibilités, l'écriture, tout t'inquiète. Mais moi, c'est surtout parce que je suis avec mon partenaire de gala, Maxime. Fait que on a fait un petit sketch. OK, ouais, non, ça va mieux. Ça va bien. Mais, ça, c'est glamour, ça. Fallait nous demander au réconcilio de chasse. J'ai l'habitude, on m'a offert une machine espresso, donc c'est un bouton. Et là, j'ai un à mon gueule parce qu'il y a comme 10 boutons. Alors, c'est un problème. Je sais combien de cuillères on met ici. Au début, je savais pas à quoi m'attendre. Je croyais que c'était un petit show. J'ai dit, ouais, pas de problème. Après, je vois le line-up. Je fais, ok, on arrête. Et là, j'ai compris le salon de l'auto et tout. Et agréablement surpris. Très content d'être là, en fait. Oui, toujours. Un peu de track, quand même, ça prend ça. Mais là, c'est juste, je suis en train de faire la diction parce qu'on est quand même au mois de janvier. Et puis, j'ai fait comme un spectacle depuis le début de l'année et je suis un peu rouillé, là. Tantôt, là, vers 7h30, là, les gens vont entrer dans la salle. Là, toute la gang va faire un... Ah, c'est vrai, il y a du monde, là, chaud, là. Mais c'est là, justement, que ça commence. Là, je suis pas nerveux du tout. Mais tantôt, on va pogner un petit nerf, tu sais. Votre animateur, Michel Barrette. Ce soir, on va parler de chant. Vous savez, je pense qu'ils vous l'ont demandé. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Parce que j'étais derrière, j'ai pas vraiment entendu. Est-ce qu'il y a du monde qui aime les chants dans la salle? Excuse-moi, là, ça m'énerve. Je peux pas voir qu'on a quelque part, parce que le GPS, ils aimaient pas ce qu'on est, là, hein? Dis-moi, mais ben, il me semble qu'il y a bien des shows canadiens qui commencent de même. Moi, puis d'habitude, ils finissent pas mal. Et l'hiver? Inclimatisé. Oh, oui. Oh! Mais ajustable. Entre la vitre, descend vite, ça dépend. Ça, c'est facile, les ondes de billard. Ce panneau-là, ce que ça veut dire, c'est que tu vas bientôt être en tabarnak! Le concept est super le fun. Très surpris, très, très bien, agréablement surpris. Et Michel Barrette, c'est mon préféré depuis que je suis tout jeune. Il y a plusieurs humoristes que je connaissais déjà, donc c'est bien. Étant donné que je suis une personne de voiture d'utilité seulement, j'avais des petits doutes de voir si j'aurais aimé ça, mais je passe une très bonne soirée, c'est vraiment très drôle, j'aime vraiment ça. On aime bien Charles, fait que c'est une bonne récompense, même si on va pas au salon. Je reviendrai. J'aimerais beaucoup ça revenir l'an prochain et j'aimerais même revenir accompagné de mon père qui est un grand fan de voitures qui, lui, aimerait beaucoup ça. Mais si vous avez du fun, vous avez aimé ça, bien, je pense qu'on est pas mal prévu pour revenir l'an prochain. Puis moi, si on venait l'année prochaine, moi, je prendrais un animateur qui connaît les chars, qui en a eu 153, qui en a encore 22. Moi, je vois pas personne d'autre que... Ben, comme moi.